Finalement, les gens se retrouvent à faire les tâches les plus répétitives, les plus pénibles, au service d'une IA. On croit que ça a été fait par des machines. Et les utilisateurs d'intelligence artificielle se gardent bien de dire qu'en fait, il y avait des humains derrière. Les démocraties ont un devoir de les contrôler de très très près. Les algorithmes nous entourent. On les trouve dans nos smartphones, dans nos ordis, et même chez nous, à côté du lit. Nous sommes partout. Les plus connus s'appellent Google, Siri, Alexa. Et elles apprennent de nous et de nos données. Pour mieux nous servir, disent ces concepteurs. Comment puis-je vous être utile ? Bonjour, je m'appelle Éric Naon. Bonjour Éric. Je suis journaliste et directeur adjoint d'IPJ, l'Institut pratique du journalisme de l'Université Paris-Dauphine, PSL. Et je suis l'hôte du podcast Ex Machina, l'ère des algorithmes, préparé par Dauphine Numérique. Dans ce podcast, nous allons aborder tous les mois l'impact des IA et des algorithmes au travers de l'expertise de chercheuses et de chercheurs de l'Université Paris-Dauphine dans des domaines aussi variés que la programmation, les mathématiques, les computer science, mais aussi la sociologie du travail, les sciences de l'environnement, le marketing ou l'économie. Pas besoin d'être spécialiste, Ex Machina s'adresse à vous. Parce que l'ère des algorithmes nous concerne toutes et tous, une fois par mois, nous prendrons une demi-heure de dialogue pour comprendre.